Elle fait nous, elle fait nous. Hello guys, donc je suis Awa de Sweet Sénégal et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les masques que j'utilise pour rendre mon visage clair. Donc désolée pour les fautes d'orthographe parce que je suis anglophone, donc balle de motif faute d'imanada def. Donc oui, on y va, je vais vous montrer les ingrédients que vous avez besoin pour faire ces masques. Pour commencer, je vais vous montrer le masque exfoliant que j'utilise pour un peu enlever les dead skin et un peu juste enlever les boutons noirs et tout ça. Donc je vais vous montrer les ingrédients que vous avez besoin. Pour commencer, vous avez besoin du brown sugar. Je pense que ça s'appelle sucre noir. Sucre marron, je pense. Pas sucre noir. That's black sugar. Brown sugar et, avec du miel. Honey. Donc j'utilise le miel de ma mère. Donc c'est du miel pur et dur de Dakar. Donc oui, c'est les deux ingrédients que j'ai besoin pour le masque exfoliant. Et pourquoi on a les mis ça? Moi, tant pis, tant on a maintenant. Donc j'ai un peu mouillé mon visage, just a little damp. Donc je vais vous montrer comment j'applique un mélange. Je gratte en mode circulaire partout sur mon visage. Parfois je mets même sur mon cou pour un peu exfolier mon cou, mais aujourd'hui je vais pas le faire quand même. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça. Je crois. Surtout mon nez aussi, parce que j'ai beaucoup de blackheads. Genre des boutons noirs sur mon nez, donc je crois que je frotte. Après avoir bien exfolié, je vais laisser pour 15 minutes pour laisser le miel un peu faire son travail. Le miel, c'est très très bon pour la peau. Le sucre, ça a juste aidé à gratter les peaux, les dead skin quoi, les peaux mortes je pense. C'est comment c'est dead skin? C'est ça que je pense, je sais pas. Je vais passer à la deuxième étape et la deuxième étape c'est mon deuxième masque. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon deuxième masque. Donc là pour l'ingrédient j'ai juste besoin du blanc d'œuf. Si vous êtes comme ça, mais il y a des nanas, ah ouais, bah ça m'a donné des yaks, mais bon. C'est pas grave quoi, parfois c'est très très bon pour la peau. Le blanc d'œuf c'est très très bon pour la peau parce que ça aide ton peau à être, tu vois, radiant, like, éclatante, tu vois. C'est ça qui rend votre peau waouh. Mon visage un peu avec un napkin. Et là, je vais utiliser mon blanc d'œuf quoi, un peu battu pour que ça ait un peu de mousse quoi. Ça, j'ai déjà montré dans l'étape dernière. Donc là, je vais juste mettre sur mon visage. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur des œufs, mais bon. C'est un peu dur quoi, c'est un peu fort mais c'est pas grave. Si ça m'aide à rendre ma peau claire, c'est pas grave. 15 minutes, c'est pas trop longtemps. Après, je vais utiliser my Olay Body, not Body, Face Cleanser. C'est pour laver mon visage, je fais chaque jour ça. Et après, là, j'ai lavé mon visage avec de l'eau tchad et mon savon et je viens juste d'essuyer ça. Donc là, j'utilise ce Nivea, cette crème. Nivea crème, ma mère m'a acheté, ça que je demande, ah ouais, essaye le Nivea because it's a deep moisturizer, donc ça veut dire que ça rend votre peau pas sec quoi, c'est très très bien pour votre peau, donc j'ai utilisé depuis 2-3 mois et franchement dig de main. Et mais avant ça j'utilisais ça depuis que j'étais petite, quand je vous dis j'utilise ça depuis que j'étais petite, dig de main. Mais le Nivea aussi ça va, donc parfois je mélange les deux, parfois j'utilise ça ou parfois j'utilise ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et merci encore. Je ne sais même pas quoi vous dire. Jeff, ok les gars. Jeff. Et n'oubliez pas de subscribe sur mon channel. Mouah. Bye. Now you can move your body.